l'UMM, donc c'est un syndicat interprofessionnel de la métallurgie qui regroupe à ce jour 285 adhérents qui couvrent à peu près 80% des entreprises de la métal du département. Alors cet événement en fait s'intègre dans une année un petit peu une année importante pour l'UMM puisque c'est le centenaire de lui, donc avec différentes activités et différents moments dans cette année. Première chose, je pense que le festival c'est intéressant parce que déjà c'est local, donc on voulait s'inscrire dans cette logique-là, parce qu'on est quand même très ancré sur le territoire. Et on voulait aussi avoir ce côté jeunesse. Bob Sinclair, c'est quand même, on va dire, une certaine tranche d'âge, même si effectivement il est plutôt d'une génération, d'une autre génération, mais il est très écouté par les jeunes et on voulait avoir cette continuité entre les jeunes et les anciens. Et je pense que c'est important qu'on montre aussi cette image de dynamisme. Et on s'est dit aussi qu'aujourd'hui, bah, c'était l'occasion de montrer que l'industrie, bah, c'était quelque chose de moderne, quelque chose de jeune. L'industrie, c'est aussi ça, c'est un peu le fun. Donc on cherche aussi à montrer ça et je pense que c'est ce qu'on souhaite aux gens qui sont présents et qui seront présents également aux éclectiques au mois de novembre. C'est vraiment de prendre du plaisir, de partager, d'échanger, parce que je crois qu'il y a aussi plein de personnes qui ne se connaissent pas forcément, mais qui vont apprendre à se connaître. Et c'est aussi ça, c'est effectivement le mélange, la relation et la convivialité.